nous finissons gagner des experts qui à Maurice et qui finissent travail pour penser tout chaque minute qu'ils ont gagné, nous utilisons le maximum des autres. Bien sûr, ils ont pour faire des bonnes recommandations à la suite de bonnes rencontres qu'ils ont gagné avec représentants de différentes institutions et discussions qui finissent avec plusieurs de responsables. Le but de ça, c'est certainement aide-nous pour nous lancer nos National Innovation Program. À Maurice, c'est la première fois que nous avons un ministère qui représente l'innovation, quand nous voulons vraiment pousser l'innovation en avant. Alors, nous finissons gagner une discussion, l'ONC, discussion, donc les autres constats qu'ils ont fait ici. Nous souhaitons nous gagner une autre collaboration pour qu'ils accompagnent nous ensemble dans ce nouveau sommet qui nous prend pour qu'ils nous inculquent une culture d'innovation au niveau de la population mauricienne. Au fait, techniciens de mon ministère, de MRC et les autres institutions, déjà commence le travail depuis un certain temps, enfin depuis nos ministères, ils créent d'ailleurs. Hein. Bien sûr, avec coup de main, experts, Moukadia, le framework pour fin prêt très bientôt. Donc, évidemment, il pour rendre public. Et nous ouvert à toute l'idée. Hein. Il n'y a pas une affaire qui est arrêtée et nous pour sujet à toute proposition de n'importe qui que ce soit pour nous capables d'étudier, pour guetter. Si nous trouvons maintenant l'idée valable, nous avons un cours pour cette idée-là. Bon, penser à une conférence est très appropriée. Ben, ça, premièrement, montrer le monde qui, voilà, Maurice, c'est un pays qui est ouvert et qui nous voulait brainstorm avec tout le monde qui, chacun, il est dans son expérience, dans sa façon, pour une plateforme ici à Maurice et pour showcase ce qu'ils ont fait. Hein. Par exemple, ce qu'ils ont réussi à accomplir et en même temps, on va dire, faire petit à petit, on espère nous faire l'île Maurice, dans sa partie du monde-là, un centre d'innovation. We met with several departments, right from oceanography to agriculture, ferai, sugarcane, health. We also met with all the universities and we learned from them each thing they are doing. It is very heartening to know that lot of individually, lot of departments and universities have actually taken steps and doing something on innovation. When they come together and under the national framework or under the ministry's program, I think there is a great potential which each of the department can innovate and implement on, and even the universities can implement the program on innovation. I also feel that there is a very good opportunity for private sector to participate in the innovation, and we also discussed some of the things which how the private sector can work with the government and the university on the innovation side. The other thing which we are looking at in addition to looking projects in terms of short term, in terms of medium term, and in terms of long term, it is very critical to work with three pillars which will help the short term, medium term, and long term goal. And these pillars are getting the right regulatory framework, right policy, right incentive plan, so that the right ecosystem is developed. Secondly, getting the infrastructure, right infrastructure, which I think Mauritius is lucky to have a good infrastructure already. And then the awareness, which basically creates
opportunities right in the minds of both domestic and international audience. One of the things which I think the government here is planning and we are looking at jointly is to see if we can do an international conference on innovation, on culture of innovation, and how culture of innovation can foster growth in Mauritius, how it can speed up the benefits of digital economy in Mauritius, and trying to see if we can create that kind of opportunities and education and awareness and branding by various activities, including the conference which we are looking at sometime in September, October. We are working on two ways. One is helping on firming up the innovation framework, which I think looking to do at what end of June, and then I think around the same time we will think of a step-by-step plan on you know what we should be doing first, what should be doing next, you know what is the next maybe short-term, medium-term, and long-term plan. There are people here who can do a better job, then we will definitely want to use people and resources in Mauritius to do, because they are the best suited to do it. Where there is a gap, we will fill it in. Really objective is to utilize, and what I have seen is that people here have done great job. They are very capable and they can do great things here. We will want to use that to the extent possible. We don't want to get everyone from outside. Where there is a need, if we need, we will definitely